Hey, tu vas pas nous croire, on est venu pour te casser la gueule. Casser la gueule. Pèse-toi, Pierrot. Ça, c'est pour tes chiens de virie, Marcel. C'est une chaise. Ça, c'est pour le gamin. Alors, mon regard, je te fais que tu en fasses. Oh, pardon. Non, il n'y a pas ça, je suis. Et allons-y. Ça, c'est pour ta connerie, Marcel. Connerie universelle. Ça, c'est bien fait pour ma gueule. Ça, c'est pour Julie. Ça suffit. Tiens, Marcel, ouais, une belle addition. Tu pourras toujours essayer de te la faire rembourser par gamin. Non, mon mousse est en train de se faire avoir. Ils attendent qu'une chose, c'est qu'on se batte sur leur terrain et avec leurs armes. Piège. Et on n'a pas le choix en plus. Il n'y a rien d'autre que la guerre ou la paix. La paix, on l'a subie, et la guerre, on l'a fait. Contre des cons, contre des loups, qu'ils soient faibles ou bien qu'ils soient fous, on doit toujours se battre ou alors se tirer. On ne sait très bien où mettre les pieds, et il n'y a que les ghettos. Se cacher. Pourquoi faut-il choisir la guerre ou la paix? Pourquoi la guerre alors qu'on ne veut que la paix? Avec ces cons, avec ces loups, qu'ils soient faibles ou bien qu'ils soient fous, pourquoi devoir se battre ou alors se tirer? On ne sait très bien où mettre les pieds, il n'y a que les dévots pour se cacher. Comment faire pour qu'un jour ça change, pour qu'on vive ensemble sans se tirer dessus? Sûrement une chance, il y a sûrement un chemin qu'on trouvera demain. Il y a sûrement une chance. Un autre moyen, et pourquoi pas celui de leur tendre la main à tous ceux qui nous font la gueule sans même savoir s'ils nous en veulent. Et si jamais ils gardent leurs mains dans le dos, on saura qu'il y a encore du boulot, on saura de quel côté sont les salauds. C'est sûr qu'un jour on le trouvera ce moyen. Sont les salauds.